demandé de parler de la relation entre la propriété intellectuelle et les biens communs. Alors, c'est une question qui est d'actualité. Et pour mettre tout le monde au même niveau d'information, je vais donner un exemple. Ces derniers temps, on parle beaucoup de l'accès aux médicaments, notamment les antirétroviraux. Et beaucoup de personnes s'émeuvent du fait que le système de brevet d'invention constituerait un obstacle à l'accès à ces médicaments. C'est pour vous dire que, parlant de la propriété intellectuelle, notre préoccupation quotidienne, c'est le bien commun. Lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, en réalité, on parle de ce que nous possédons tous, à savoir l'intelligence humaine. L'objet de la propriété intellectuelle, c'est justement l'intelligence humaine, la production humaine. Alors, si la production intellectuelle est la mieux partagée, la question qui se pose est celle de savoir est-ce qu'on peut privatiser cette production intellectuelle qui est censée être le carburant, le moteur de la vie des individus. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord, du point de vue méthodologique, chercher à comprendre un peu comment fonctionne le système de la propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on entend par bien commun au sens de la propriété intellectuelle. Alors, pour aller vite, le système de la propriété intellectuelle est en réalité un système d'appropriation de l'immatériel. L'immatériel, au sens de la propriété intellectuelle, étant toute production intellectuelle de l'homme par opposition à la production matérielle. D'ailleurs, la matière de propriété intellectuelle, on va toujours faire la distinction entre les objets matériels et les objets immatériels. Pour donner un exemple, constitue une production intellectuelle les œuvres de l'esprit, telles que les œuvres littéraires et artistiques, mais également les créations dites utilitaires, telles que les inventions, les signes distinctifs qui nous permettent de faire des gains économiques et technologiques importants. La production intellectuelle est la pierre angulaire du système de la propriété intellectuelle. En d'autres termes, sans production intellectuelle, il n'y a point de propriété intellectuelle. La question qui se pose est celle de la nature et de l'étendue de la production intellectuelle qui est l'objet de la propriété intellectuelle. On peut par exemple se demander si toutes les productions intellectuelles peuvent faire l'objet d'un droit de propriété intellectuelle. Cette question va au-delà de ce qu'on pourrait appeler des conditions techniques d'appropriation d'une création intellectuelle. Alors, si on raisonne en matière d'invention, et si on veut suivre ce que dit la loi, une invention ne va être privatisée que s'il y a une condition essentielle, si cette invention est nouvelle par rapport à ce que d'autres productions intellectuelles ont mis en place. Et toujours en termes de définition, le système de la propriété intellectuelle peut être également perçu, et là c'est la vocation du juriste, comme un ensemble de droits qui s'exercent sur des objets particuliers qui sont des productions intellectuelles. À cet égard, la propriété intellectuelle est appréhendée par rapport aux droits qui s'exercent sur les objets. En d'autres termes, la valeur économique d'une invention est étroitement liée au brevet dont elle est l'objet. Du coup, la propriété intellectuelle est confondue avec le droit. Et c'est ce qui rend un peu complexe la question du bien commun. Lorsque je dis j'ai un brevet d'invention, en réalité j'ai un droit sur une production intellectuelle qui est une invention qui va s'appeler le brevet. Alors, qu'est-ce qui va s'expliquer qu'on va reconnaître un droit de propriété intellectuelle? toujours pour aller vite, on va se fonder sur trois idées forces. La première idée, c'est l'idée de promotion du développement culturel et technologique. On va reconnaître un droit de propriété intellectuelle à un individu parce que sa production intellectuelle contribue à la promotion de la culture et de la technologie. Et donc, le peintre qui a fait un beau tableau, l'artiste musicien qui a fait une belle chanson, on va lui reconnaître un droit d'auteur parce qu'il contribue au rayonnement culturel. De même que l'inventeur qui a inventé la climatisation, on va lui donner. Il y a l'autre idée qui est l'idée de récompense. Évidemment, il faut récompenser celui qui a fait une bonne action pour qu'il ait le courage de faire cette bonne action. Mais également, il y a l'idée de protection de la personne qui va justifier l'existence d'un droit de propriété intellectuelle. C'est en cela, et cela se voit notamment chez les artistes, chez les créateurs, et pour symboliser cette idée de protection de la personne, lorsqu'on a demandé à un auteur français célèbre qui a écrit Madame Bovary, on lui a demandé ce qu'il en pensait, il a dit, c'est Gustave Flaubert, Madame Bovary c'est moi. À travers Madame Bovary, évidemment, la personnalité de Gustave Flaubert. Alors s'il est plus ou moins aisé pour moi de définir la propriété intellectuelle, la définition du bien commun par contre est un peu plus compliquée, fort heureusement, mais les prédécesseurs s'y sont attachés, donc je ne vais pas insister. Mais le réflexe du juriste lorsqu'on parle de bien commun, surtout lorsqu'on est privatiste, c'est d'interroger le code civil. Malheureusement, les références qu'on trouve dans le code civil relativement au bien commun ne concernent que les régimes matrimoniaux. Ici, on va distinguer le régime de la communauté des biens à l'intérieur duquel on va trouver les biens communs et les biens propres. Donc je ne pense pas que ce soit ça l'objet de notre assemblée. En revanche, le Code civil consacre des dispositions à la classification des choses. Et dans cette classification, pour aller vite, on va retrouver ce qu'on appelle les choses communes. Et pour les juristes, c'est l'article 714 du Code civil. Ces choses communes qui sont définies par cet article comme des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Je crois que nous rejoignons les économistes. En réalité, et pour simplifier, les choses deviennent des biens dès lors qu'elles servent à l'usage de l'homme et permettent à celui-ci de satisfaire ses besoins, soit directement en se servant d'elles, en recueillant leurs fruits, voire en les détruisant, soit indirectement en les échangeant contre d'autres choses plus propres à satisfaire ses aspirations. Donc, du point de vue de la propriété intellectuelle, la définition du bien commun va se faire par référence au caractère appropriable ou non d'une production intellectuelle. La production intellectuelle étant considérée ici comme une chose ou un bien. Ainsi, on va faire la distinction entre les choses immatérielles appropriables et les choses immatérielles non appropriables. Les choses immatérielles non appropriables peuvent être considérées de ce point de vue comme des biens communs. Et c'est de ça que nous allons parler. Et ces biens communs, pour ainsi dire, ont été sanctuarisés à travers une formule célèbre d'un juriste français qui a enseigné d'ailleurs à la Sorbonne après avoir officié à Grenoble, Henri Desbois, qui dit ceci. Quelle que soit l'ingéniosité, et même si elles sont marquées au point du génie, la propagation et l'exploitation des idées exprimées par autrui ne peuvent être contrariées par les servitudes inhérentes au droit d'auteur. Elles sont par essence et par destination de libre parcours. Ce qui signifie, si on veut aller vite, on va considérer comme bien commun les idées qui sont comme l'air et autres que nous respirons. Alors comment ces idées alors pourront être appropriées si on considère qu'il s'agit là de bien commun? je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'actualité montre que malgré cette assurance donnée par Henri Desbois, on assiste à une intrusion de plus en plus grande du système de la propriété intellectuelle dans le domaine réservé aux biens communs. Que ce soit dans le domaine des créations littéraires et artistiques, dans le domaine industriel, le système de la propriété intellectuelle apparaît de plus en plus comme une menace aux biens communs. Dans ces conditions, on peut se demander quelle est l'incidence du système de la propriété intellectuelle sur l'existence et la gestion des biens. Alors, cette incidence est a priori négative, mais à y voir de près, on l'a dit, une de mes casquettes aussi, c'est de défendre le système de la propriété intellectuelle. Donc, permettez-moi que je fasse le grand écart. Après avoir indiqué que le système de la propriété intellectuelle constitue véritablement une entorse au bien commun, on pourra dans un second temps voir que malgré tout, le système de la propriété intellectuelle est un enrichissement du bien commun. Donc, partant de cette idée, la première, à savoir que le système de la propriété intellectuelle est perçu comme des biens communs, cela peut se vérifier à deux niveaux. D'abord, le système de la propriété intellectuelle apparaît comme un système de privatisation directe du bien commun. Alors, comment? Tout simplement parce que les gouvernements ont fait le choix. Alors qu'on est dans une économie libérale, je parle sous le contrôle des économistes, un des principes qui domine, c'est le principe de la liberté de commerce et d'industrie. Et pourtant, le système de la propriété intellectuelle qui est constitué de monopoles va être reconnu. À partir de ce moment-là, la propriété intellectuelle constitue bien une exception au principe de la liberté de commerce et d'industrie. Et donc, ce faisant, le pouvoir accepte de limiter directement, de porter atteinte directement à la notion de bien commun. Ce qui signifie que si ce système n'était pas reconnu, on ne devait pas pouvoir donner un monopole sur une idée. Or, c'est le cas. Alors, pour aboutir à cette privatisation directe de ce qui constitue le bien commun, on va trouver des justificatifs. Ces justificatifs, par exemple, on va les retrouver dans certaines constitutions qui, par exemple, en matière d'invention, on va dire c'est parce que l'auteur d'une invention concourt au progrès de l'humanité qu'il faut lui donner un monopole sur cette partie du bien commun qui est l'intelligence humaine. Et vous le verrez, et ce qui est très surprenant, dans la constitution d'un pays comme les États-Unis, qui dès l'article 1er proclame cette idée, cette phrase qui résume un peu l'état d'esprit américain, qui dit « Le Congrès aura le pouvoir de favoriser le progrès de la science et des arts utiles en assurant pour un temps limité aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectives. » Ici, on va justifier ce monopole, cette atteinte au droit commun par le fait que ces personnes apportent un bien, il faut leur donner un monopole. Et c'est ce monopole-là qui va constituer une atteinte directe à l'œuvre. Alors, si on veut extrapoler dans le domaine de la création littéraire, lorsque une production littéraire fait l'objet d'un monopole, ça suppose que cette production littéraire est originale. Et donc, la production littéraire étant originale, le système juridique va lui reconnaître un monopole sur cette partie originale de la production littéraire, mais ce qui signifie que la partie non originale est considérée toujours comme non appropriable et fait toujours partie du domaine public. En matière d'invention, la privatisation du bien commun avance à grands pas. Alors, du point de vue technique, ça va se traduire par exemple, l'extension légale du domaine de la brevetabilité. Alors, le système de brevet va toucher, par exemple, la question des médicaments, la question du vivant, la question des plantes. Mais on peut donner un exemple quelque chose. Certains d'entre vous ont dû entendre parler de la souris de Harvard. Le fait de modifier les gènes d'une souris permet à celui qui a modifié les gènes de la souris d'avoir un monopole sur la production de cette souris. Et donc ici, on va donner un monopole sur le vivant. Et encore plus proche de nous, la question du séquençage de l'ADN. Aujourd'hui, les multinationales se battent pour qu'on donne un brevet sur le séquençage de l'ADN. Et ça, ce sont une question qui, au-delà des questions éthiques que ça pose véritablement le problème de l'accès aux ressources. C'est-à-dire qu'on va accaparer de façon unilatérale le bien commun. D'un autre point de vue, on peut voir que les systèmes qui encadrent la propriété intellectuelle vont donner des monopoles qui vont durer de plus en plus dans le temps. Alors si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, en matière de droit d'auteur, on va protéger un auteur suivant une règle qu'on appelle les 99 ans post-mortem. Ça veut dire quoi? Que l'auteur est non seulement protégé durant toute sa vie, mais les 99 années qui suivent l'année de sa mort, son œuvre est toujours protégée. Ça veut dire qu'ici, on a pendant au moins 150 à 200 ans privatisé ce domaine-là qui a fait l'objet du droit d'auteur. Mais comme si cela ne suffisait pas, lorsqu'on prend la législation ivoirienne, il n'y a jamais de domaine public, puisque dès lors que l'œuvre tombe dans le domaine public, pour l'exploiter, il faut payer une redevance à l'État. Il y a encore les nouveaux développements des technologies de l'information, on a parlé des bases de données. Et comme le système de la propriété intellectuelle ne suffit pas à privatiser, alors on crée un autre droit sui generis, le droit de s'opposer à l'extraction d'une base de données. Et donc ce qui va signifier que, par exemple, les bases de données de la bourse des valeurs de New York, l'accès à ces bases de données est facturé aux courtiers, alors que c'est des informations utiles pour faire leur travail. Et sur la base d'un droit de propriété intellectuelle sui generis qu'on va créer. Alors, ça, ce sont quelques exemples de privatisation directe de ce domaine public, du bien public. Mais on peut assister, et ça c'est encore plus insidieux, à une sorte de privatisation indirecte des biens communs. Alors, cette privatisation indirecte va passer par un certain nombre de techniques que les titulaires du droit vont mettre en place. On peut donner quelques exemples pour aller vite. Dans le domaine des brevets et des marques, on va assister à une stratégie commerciale qui va consister à mettre en place ce qu'on appelle des brevets ou bien des marques de barrage. Ce qui veut dire qu'on ne va pas protéger une production intellectuelle en vue de l'utiliser, mais on va protéger cette production intellectuelle en vue d'empêcher le concurrent d'accéder à ce secteur stratégique. Et dans le domaine des médicaments, et qui est encore plus grave, on va assister là à un phénomène qui va consister à vider le brevet d'invention de son sens pour attacher la valeur économique du brevet sur du médicament à un autre domaine. Alors, cela appelle une petite explication. Lorsque l'État reconnaît un brevet à un individu, c'est à la condition que l'individu, l'inventeur, ait décrit l'objet de son invention, de sorte que l'homme du métier puisse le produire. Mais lorsque vous êtes dans le secteur du médicament et que vous avez mis cette information à la disposition de l'homme du métier, l'homme du métier peut reproduire ce médicament pour les besoins de la population. Mais que font les titulaires de droit? On va décrire de façon insuffisante le processus de fabrication du médicament et on va mettre ce qui permet d'obtenir le médicament dans les données d'essai qui sont des données privatives. Et donc, on étend de façon indirecte le champ du monopole accordé par le système de la propriété intellectuelle. Et ce qui signifie, et c'est ça l'enjeu du débat, si un pays comme la Côte d'Ivoire décide, pour satisfaire les besoins de la population, de dire, bon, je prends une licence autoritaire sur un médicament pour le produit, vous allez passer 5 ans à faire les essais avant d'aboutir à la bonne formule. Donc le brevet ne vous sert pas à grand-chose. Alors, plus proche encore de nous, qui nous intéresse tous, c'est que de plus en plus, on commence à obtenir des types de propriétés industrielles, notamment des brevets, à partir des ressources génétiques qui sont dans nos forêts, à partir de la connaissance des savoirs traditionnels de nos populations. Mais ces populations, qui ont donné ces savoirs, qui ont donné ces connaissances, qui ont permis d'obtenir, par exemple, un brevet, ces populations ne sont pas assistées. Et donc, du coup, ce patrimoine commun qui est constitué de nos connaissances populaires, de nos ressources génétiques, alors va nous échapper par une privatisation déguisée. Et les exemples, on peut les citer. Après avoir fait le procès du système de la propriété intellectuelle, mais il y a quand même quelques avantages que je vais souligner rapidement. Alors, cela est dû au fait que, malgré tout, le système de la propriété intellectuelle permet d'enrichir qualitativement le bien commun, qui est la production intellectuelle. Alors, par quel mécanisme? À savoir que, si on prend ne serait-ce qu'un exemple, à partir d'une découverte, on peut aboutir à une invention, c'est-à-dire quelque chose qui améliore le quotidien. Alors l'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple de Charles Baudieu, qui, à partir de la peste naturelle, a fait des pneumatiques en mettant en place toute une méthode. Et donc, en améliorant l'existant, il ajoute quelque chose à l'humanité. Il y a également le fait que le système, d'une façon générale, par les récompenses qu'il offre, crée une saine émulation de sorte qu'il y a une course au progrès. Il y a une vingtaine d'années, les téléphones cellulaires faisaient pratiquement 500 grammes. Aujourd'hui, on a des téléphones cellulaires qui sont réduits. Mais de façon pratique, et si on se met dans le contexte ivoirien, notre patrimoine, à la fois culturel, artisanal et agricole, peut être valorisé en utilisant ces mêmes outils qu'on peut décrier par ailleurs. Alors je donne juste un exemple, c'est le fait, ce qu'on va appeler d'une façon générale, les indications géographiques, les marques collectives. On connaît dans un certain nombre de pays, notamment en France, que serait le vin mousseux de Champagne sans le système d'indication géographique qu'on appelle des appellations d'origine contrôlée. Et c'est ce système-là qui a donné une valeur supérieure à ce vin mousseux de Champagne. Et en cela, la mise en œuvre d'un tel système rejoint un peu ce que le professeur Aouré disait. Ça suppose une sorte de gestion au niveau local par les acteurs eux-mêmes de ces outils de valorisation, à travers un certain nombre d'instruments qu'on va appeler les organismes de gestion et de défense, à travers des cahiers de charges, où ces organismes vont en quelque sorte suppléer à l'État pour donner une certaine valeur à leur production intellectuelle. Et pour finir, on peut également noter, et ça c'est un des avantages du système de la propriété intellectuelle, c'est qu'il y a une sorte d'enrichissement quantitatif du bien commun. Et cela s'explique par le fait que la propriété intellectuelle étant un système dérogatoire, il est forcément limité, et ce système est limité dans le temps. Et en limitant le monopole dans le temps, il y a une sorte de retour de l'objet privatisé à la case de départ, savoir dans le bien commun. Mais ce bien de retour de privatisation vient avec une valeur accrue par rapport à son état initial. Dans le même registre, les droits de propriété intellectuelle, d'une façon générale, sont limités à un territoire. Donc, étant limités à un territoire, ce qui signifie que le territoire sur lequel une invention ou une marque n'est pas protégée, dans ce territoire-là, on va considérer cette invention, une marque, comme faisant partie du bien commun. Et cela est très important pour les pays en développement que nous sommes. Et cela constitue une des raisons d'être pour lesquelles un certain nombre de pays en développement s'attachent à développer leur système de propriété intellectuelle. Cela signifie quoi? Cela signifie que si on raisonne toujours sur l'hypothèse du médicament, le fait qu'une invention ne soit pas protégée sur un territoire donné nous permet de faire des médicaments génériques. Et on n'a pas, dans ce cas-là, besoin de l'accord du titulaire de droit pour le faire. Et c'est parce que ce système constitue un puissant mécanisme d'acquisition de technologies qu'on voit qu'un certain nombre de pays d'Asie ont mis en place des choses et qui envahissent nos marchés d'un certain nombre de produits. Mais quand on regarde de près, il faut voir dans cette question de la gestion du bien commun quelque chose de stratégique. À savoir que nous pouvons utiliser les défaillances en fait, du système de la propriété intellectuelle pour transformer en un atout. Pour la simple raison que les pays africains ont des biens communs qui sont encore, en quelque sorte, à l'état brut. Alors, si nos biens communs sont à l'état brut, nous devons utiliser les outils qui permettent de les valoriser. Et quand bien même une partie de ces biens communs aurait été accaparée pour un certain temps, on est dans un système de vase communicant qui fait qu'au bout d'un certain temps, ces biens communs-là reviennent. Et c'est la raison pour laquelle je vais terminer sur une citation de Laurent de Lavoisier qui dit ceci: « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Je vous remercie. Merci au professeur Bohoussou. Merci encore. L'intrusion du droit de propriété intellectuelle dans la sphère des biens communs n'a-t-elle pas pour effet de remettre en cause même la notion de bien commun? Est-ce que nous n'allons pas à terme vers un abandon de la notion de bien commun? Telles que les choses évoluent, et si on y prend garde, en fait, il n'y aurait plus de bien commun, puisque tout ce qui a une valeur économique a tendance à être privatisé, soit par un système de propriété intellectuelle, soit par tout autre système. Alors, malheureusement, c'est une tendance qui est constatée, mais je ne sais pas si véritablement on peut trouver une solution à ça, puisque nous sommes dans un système où l'économie se dématérialise de plus en plus, et donc tout l'enjeu est sur la maîtrise de l'immatériel. Et aujourd'hui, bon, l'exemple qu'on donne souvent et qui est caractéristique de cette dématérialisation de l'économie, c'est l'exemple des Coca-Cola, des Google, des Apple et autres. Et quand on prend la plupart de ces entreprises-là, l'enjeu n'est pas de posséder des usines, des salariés, des choses, mais c'est de posséder des titres de propriété intellectuelle. Et ce sont ces titres-là qui font la valeur de ces entreprises. Et donc ici, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on réduise au maximum la sphère des biens publics. Face à cela, bon, les pays en développement que nous sommes, sommes très dépouillés, puisque il n'y a que par le jeu des conventions internationales qu'on peut régler ce genre de problème. Mais malheureusement, les pays développés sont très réticents à une réglementation de toutes ces questions. Depuis pratiquement 20 ans, on a du mal à trouver une convention internationale pour réglementer, par exemple, la question des ressources génétiques ou bien de la protection des savoirs traditionnels. Et vous savez pourquoi ça choque? Tout simplement parce que les pays du Sud demandent ce qu'on appelle la divulgation des sources. On ne vous empêche pas d'avoir un brevet, mais vous devez dire quelle a été l'information capitale qui vous a permis d'obtenir ce brevet. Si je prends par exemple le tomatocoque d'Ambiéry, ce produit sucrant-là, en lui-même, n'a plus de valeur, puisque à partir du moment où on sait que ce produit-là a une capacité sucrante, on ne fait que synthétiser la molécule pour avoir du sucre, ce qu'on met dans les sucrètes qu'on met dans le café. Mais là, à partir de ce moment, le domaine public est vidé de ce sens, parce que vous pouvez avoir votre tomatocoque, mais ça ne vaut plus rien, puisque ce qui est capital, c'est le pouvoir, l'information qu'on avait pour savoir que cette racine-là peut servir de sucre. Donc, malheureusement, c'est une question pour laquelle, disons qu'on n'a pas de réponse précise. Deuxième question, le professeur Boussou a eu à évoquer la question des indications géographiques. Donc, c'est simple de savoir, relativement au système de propriété intellectuelle ivoirien, quel est l'enjeu de l'instauration des indications géographique pour le développement de la Côte d'Ivoire? En réalité, il s'agit de mettre en relation la qualité d'un produit par rapport à son origine géographique. L'origine géographique d'un produit peut dépendre sur sa qualité, soit par rapport au savoir-faire des populations, soit par rapport aux caractéristiques même du lieu de production. Et ce lieu de production devient une sorte d'argument commercial qui permet de donner une plus-value au produit. Alors, si on apporte cela au cas de la Côte d'Ivoire, nous avons, si vous prenez la plupart des gens qui ont fait la Côte d'Ivoire, et je pense que ça sera le cas du professeur Salamito, ceux qui le retiennent de la Côte d'Ivoire, entre autres choses, c'est la tiéké, c'est la loco. Mais une fois qu'on a dit ça, quelle est la plus-value économique que les producteurs de ces deux mers tirent? On n'en tire absolument rien parce que c'est considéré comme un produit générique. Or, il n'y a pas un seul aloco, il n'y a pas un seul atiéké, il y a des atiéké, il y a des alocos, comme il y a des cacao, il y a des cafés, etc. etc. Et donc, l'enjeu, c'est de transformer ce lien avec le terroir, comme on le dirait en France, en une plus-value économique qui permet de mieux vendre. Et la troisième question. Le professeur Boussou, encore une fois, a eu à parler des bourses américaines qui facturent des services au niveau de, relativement, disons, aux informations. Ce que le participant a voulu savoir, est-ce que ces bourses américaines se prévalent, disons, de droits de propriété intellectuelle sur les dites informations, ou c'est plutôt un droit d'usage de ces informations qu'elles veulent facturer? En réalité, dès lors qu'on se trouve dans une économie de l'immatériel, comme je l'ai dit, l'information devient un enjeu économique important. Et pour capter cet enjeu économique, bon, il y a un certain nombre de théories qui ont été développées, notamment s'il y a des juristes ici, on a parlé par exemple la théorie du bien informationnel. Et on l'a développée à un moment donné lorsque les producteurs de logiciels ont voulu réagir contre les contrefacteurs. Si vous chargez un logiciel de Microsoft dans votre ordinateur, est-ce que vous avez volé? Et qu'est-ce que vous avez volé? Mais pour pouvoir vous sanctionner, on va dire, ah mais tiens, même en chargeant, j'ai pris de l'information, et cette information-là appartient à Microsoft. Non. Or, le système de protection qui est mis en place est de telle sorte que l'information, comme je l'ai dit, c'est des idées sur lesquelles on peut pas, des idées qu'on ne peut pas privatiser. Et donc, si on ne peut pas privatiser l'idée en tant que telle, il faut trouver un moyen déguisé pour privatiser l'idée. Et c'est pour ça que dans ma présentation, j'ai parlé d'un droit sui generis. L'idée n'appartient pas, par exemple, à Microsoft, mais vous n'avez pas le droit de piquer cette idée. Ça relève de la théorie du bien informationnel. J'étais un peu gêné de la mise en relation entre la notion de propriété intellectuelle et les biens communs. A priori, je me suis dit que ça ne peut pas fonctionner. Et dans son exposé, j'ai vu que lui-même il était un peu gêné pour faire la connexion. Mais c'est tout à fait normal. Moi, je m'intéresse aux problématiques éthiques, la bioéthique, l'éthique de l'environnement, etc., etc. Il faut mettre les choses dans leur contexte. La question de la propriété intellectuelle, il faut d'abord se demander à quel domaine ça appartient. Est-ce qu'on est dans le domaine du droit? Est-ce qu'on est dans le domaine de l'économie? Est-ce qu'on est dans le domaine scientifique? Est-ce qu'on est dans le domaine politique des biens communs? À mon sens, ce sujet-là, c'est un sujet d'ordre économique. On est en économie. La problématique de la propriété intellectuelle n'est rien d'autre qu'un prolongement du système libéral dans sa gestion. Donc, il faut rendre aux économistes leur affaire. Ce n'est pas une affaire éthique. Ça n'a rien à voir avec les biens communs. Au contraire, vous-même vous l'avez dit. Est-ce que la propriété intellectuelle, je vais le noter, ne constitue pas une menace pour les biens communs? Mais bien sûr que si. On est dans l'économie. Ça relève du domaine économique. Là-bas, c'est pour faire du profit. C'est pour faire du profit. Il n'y a aucune considération pour l'éthique, aucune considération pour l'éthique, aucune considération pour les biens dits communs. La propriété intellectuelle va permettre surtout l'innovation. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que sans innovation, les croissances économiques connues dans les différents pays ne peuvent durer dans le temps. Et comment susciter l'innovation? C'est de permettre aux gens d'investir dans la recherche et le développement et que ce que ces gens trouvent soit protégé pour qu'ils en tirent le meilleur parti et qu'ils soient suffisamment incités pour continuer à chercher, pour trouver et pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc, quelque part, on pourrait dire que cette manière de faire vise surtout l'innovation pour la croissance, pour le bien-être des humains. Donc, comme notre bien-être à tous constitue un bien commun, alors nous sommes d'accord que cela va aider à construire un certain type de bien commun. Parce que lorsqu'on trouve des voies et moyens pour voyager en avion, ça deviendra une manière d'aider les peuples à se déplacer plus aisément, à accroître leur bien-être, et donc ça devient un bien commun pour nous tous aussi. Voilà pourquoi je pense que c'est vrai qu'il y a l'aspect économique, mais ça nous amène vers cet aspect de favoriser l'innovation pour le bien-être des populations. Donc nous pouvons regarder dans ce sens également. Merci. Concernant justement, vous soulignez Alban l'aspect de l'incitation. S'il n'y a pas de protection de l'innovation, on se retrouve dans la situation de l'Angleterre avant l'essor industriel. Il y avait des quantités d'inventions cachées dans les caves. Et si elles sortaient, elles étaient propriété de la couronne, donc il n'y avait pas beaucoup d'incitation à faire sortir toutes ces inventions. Et le jour que la propriété intellectuelle a été reconnue en Angleterre, c'est ce jour-là que toute l'innovation a pu participer à l'essor industriel. Quand on parle du libéralisme et de la propriété intellectuelle, je voudrais souligner un point. C'est que les ultralibéraux vont au contraire en sens inverse. C'est-à-dire qu'ils considèrent que dès qu'une idée sort de votre tête, elle doit être mise en concurrence avec les idées des autres, ce qui fait que par la concurrence, l'idée va s'améliorer. Bon, nous à l'Institut, on a beau parler de liberté, on ne partage pas cette idée, on ne prend pas cette idée, mais professeurs, les ultra-libéraux vont dans le sens justement inverse, c'est-à-dire qu'ils ne voudraient pas du tout protéger la propriété intellectuelle. Les ultra-libéraux, eux, sont contre la fait, ils n'en veulent pas du tout. On ne doit pas s'approprier un bien immatériel. En fait, c'est ça leur radicalisme. Mais tout en sachant que c'est une des modalités du système libéral. On a posé une question au début du colloque. Peut-on suppléer la différence de l'État? La réponse est oui, au vu des échanges, au vu de votre attention pendant ces 4 heures d'affilée. Et je soulignais que défaillance, ne prétendons pas que les États soient défaillants. C'est à la fois le résultat et le processus. La défaillance. Donc, nous pouvons aider là où l'État ne peut pas. La réponse est oui, je le crois. La deuxième chose, le deuxième mot que je voulais dire, c'est juste merci. Merci, nous attendons vos contributions pour la suite. Merci à tous.